Lorsque tu as un ami que tu as connu même dans ton enfance et qui devient un grand homme, ne le traite pas comme ton ami d'enfance. Il est ton ami d'enfance, mais maintenant c'est un ministre. Beaucoup d'entre vous, vous n'entrez pas dans le succès, dans l'élévation. Pourquoi? Vous aimez rappeler aux autres leur petitesse. Laisse-moi te rappeler ma petitesse, mais ne me rappelle pas que moi je dormais dehors, que moi je manquais de voiture, que moi je dormais dans un garage. C'est de l'impolitesse. Laisse-moi te dire ce que j'étais, mais toi ne me rappelle pas ce que je connais. Ne rappelle pas David qu'il était berger quand il est roi. Laisse Dieu lui rappeler, mais toi n'en parle pas. Mais je remarque souvent dans notre pays, lorsque Dieu a élevé un homme, on aime toujours le rappeler. On aime toujours ramener les gens dans le passé. J'appelle ça la pétification. La pétification. Où tu avais un nom quand tu étais petit, c'était Bobo. Maintenant tu t'appelles Pasteur Samuel. Bobo, ne m'appelle pas Bobo, je m'appelle Pasteur Samuel. Laisse-moi parler de Bobo, mais toi ne me parle pas de Bobo. Nous avons souvent ce problème-là. Ne le touche pas. Ce n'est plus le prédicateur que tu as connu. Maintenant, c'est un ministre. Appelle-le Excellence. Tu as étudié avec moi, je deviens ministre. Quand tu m'écris, tu dis Mon Excellence. Quand tu viens au bureau, tu attends au secrétariat pour que je te reçoive, comme tout le monde. C'est alors que tu seras grand. T'es-moi content, parce qu'il me connaît. C'est saison pas nan qui rive, oh oui. Bon Dieu.